l'époque de la vision du cœur. Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce jour 12, à l'écoute de la vision du cœur. Lorsque nous écoutons et entendons la petite voix tranquille dans notre cœur, nous pouvons accéder à notre plus grand potentiel de joie et de désir. C'est la vision du cœur, le rêve personnel qui va permettre à la personne d'accomplir ce qui lui apportera bonheur et réalisation. Lorsque nous entendons la voix du cœur et projetons dans cette vision du cœur nos plus fortes aspirations et nos plus profonds désirs, le corps et les gens et les sens suivent naturellement les cordes du cœur qui sont faites de notre foi. Telle est la magie de la création personnelle et de la réalisation propre au chercheur qui s'est dévoué, corps et âme, et qui sait que les miracles sont réels. Cette personne crée le miracle de la coopération entre la foi et la bonne volonté pour être un partenaire du grand mystère, en permettant à son désir personnel de se manifester à sa façon unique, en projetant dans le vide de l'inconnu nos rêves et nos plus grands désirs liés par les cordes du cœur, les cordes rouges de la foi. Nous montrons notre confiance en celui qui fait toutes choses. Ce que nous récoltons montre notre foi en nous-mêmes ainsi que notre connexion joyeuse au grand mystère. Voilà pour l'enseignement du jour. Je vais compléter par une petite guidance en ce lundi, la guidance intuitive que voici. Alors je vais chercher, hop, voilà. Alors, petite pause pour aller chercher la suite. L'oracle du chaman, c'est venu pendant la guidance. Au tambour, j'ai dit, ah, voilà, bon, bah, l'oracle du chaman mystique. Que voilà, avec la carte. Donc, je tire maintenant. Et l'oracle va nous accompagner aujourd'hui avec cette carte qui est la malédiction que voici. La malédiction. Donc, la malédiction, ce qui vient là, ben, c'est pas forcément le message profond, hein. Faut aller chercher plus loin. Ce message, faut aller un peu chercher plus loin que forcément la malédiction, le côté mal, en fait, hein, le côté maléfique. Donc, la malédiction fait référence aux histoires limitantes, en fait.
de nos ancêtres et au karma des vies antérieures à aller chercher hein, dans notre cœur, qui prédestine les événements de nos vies. C'est la source des habitudes peut-être négatives. Et elle peut se présenter sous la forme d'une maladie. D'une maladie pas forcément tout le temps trop enfin, intense, hein, ça peut être une petite maladie aussi. D'une force destructrice ou d'un blocage de notre énergie créatrice. La malédiction nous tient prisonniers d'une histoire fausse, une croyance que nous confondons avec la réalité. Reconnaître la blessure originelle qui se manifeste dans notre vie peut l'éliminer, hein. Donc là, il est vraiment temps de déterminer l'origine de vos limites. Est-ce que c'est vos grands-parents qui vivaient dans un état d'esprit de manque et donc là, ça vous met des limitations aussi dans votre propre vie? Avez-vous hérité de gènes favorisant une maladie cardiaque? Est-ce que vous étiez un esclave ou un maître dans une vie passée? Cet héritage karmique, il est vraiment prêt et il attend d'être vu maintenant et démêlé et libéré. Donc honorez vraiment les personnes qui ont joué un rôle et une histoire dans votre propre histoire. Pardonnez tout à tout le monde et créez un nouveau parcours de vie hein, pour vous-même. Donc, soyez vraiment conscient, consciente de vos actes, agissez avec une intention pure afin de ne pas créer une dette ou un karma que tôt ou tard quelqu'un devra payer, sûrement vous, dans une autre vie. Voilà, ce que vous faites aux autres, vous le faites aussi à vous-même et aux personnes que vous aimez le plus. Donc, vous avez vraiment maintenant la possibilité de changer aussi d'attitude. Voilà le message. Effectivement, moi, en ce moment, je travaille sur les annales akashiques, j'ai fait une formation. Et c'est vrai que c'est très important d'aller rechercher tout ça, en tout cas de faire remonter les problématiques anciennes et de laisser partir pour accueillir un nouveau sens à notre vie. Voilà. Et ben super enseignement aujourd'hui, hein. On approche effectivement de cette pleine lune qui est jeudi. Et donc j'ai déjà dit là des derniers jours, mais le cercle est complet en Skype, mais il y a possibilité de s'inscrire pour recevoir les audios. Et ça permet vraiment de toute la semaine là de recevoir un petit peu chaque jour, parce que j'ai commencé dès Beltane, donc dès vendredi, à envoyer des audios pour que on y aille un petit peu un rythme plus doux et qu'on prépare en fait l'avant-pleine lune et l'après-pleine lune, de me contacter pour prendre ben, ces audios-là, vous réserver vos audios. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt, à demain.